Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de l'escouade des reporters, du crew des reporters de guerre de Noël bien sûr, parce qu'ils sont tous en petit pull de Noël bien sûr. Je reprends là donc juste après la mission que je vous ai dit que je faisais en off. Hein. Et on a Michael Fraser. Fraser, hâte de déconner, hâte de faire le con. qui bien entendu est monté de niveau, donc il va devenir un mitrailleur. Voilà. Puisque j'ai besoin absolument d'un quatrième artilleur. Donc, si je pouvais en avoir un autre avec la concentration, ce serait pas mal. Même si, ok, c'est pas mon artilleur principal, je suis d'accord. Et en ce qui concerne la radio, étant donné qu'il peut tomber assez facilement en rade, je pense que tu vas justement monter mécanicien. Radio mécanicien, étant donné que c'est le premier à être impacté dès qu'il y a une panne électrique en vol classique, hein, autre que les, autre que l'hydraulique pour les. Pour les mince, j'ai plus le nom, les trains d'atterrissage, pour les trains d'atterrissage, je pense que c'est important. Et on a Wasgul Gragraf qui pourrait monter. Et bah non, tu vas monter au premier soin. Hein. Tous les artilleurs en premier soin, pas de discussion. Hein. Tous ceux qu'on peut monter. Wagstaff, tu montes en soin. Donc voilà, je pense que c'est un bon deal à faire. Hein. On peut aller voir notre bousingue. On n'a pas atteint les putain les. Pas loin. Et là c'est comme quoi, vous voyez, c'est con, hein, mais le mec qui évite de faire pause, bah je crois qu'il les aurait les 3000 là. Il en serait pas très loin tout du moins. Est-ce qu'on part sur un fuselage ou sur de la tourelle? Il est vrai qu'une petite tourelle dorsale en infini. C'est, on discute quoi. On discuterait pas mal. Parce que la prochaine c'est qu'à 4000. 2006, ça sort, ça se sort. Ah par contre, oui, bah non, ah, bah tiens, problème réglé, première chose à faire. Moteur. Moteur. Paf, plus de portance. Allez. Et on a pas mal de thunes. Nope. Coûte pas cher les moteurs, hein. On aurait pu les monter plus tôt hein, quand même. Hein. Les systèmes, donc les tourelles, ça serait bien juste la tourelle dorsale. De passer en voilà en bande de munitions infinie, comme ça on ne s'embête plus. Des missiles, des missiles, je veux, donnez moi des missiles, donnez moi des missiles. Boîtier électrique, il arrête pas de péter chez nous. J'avoue que ça pourrait commencer à devenir très intéressant, mais voilà, on peut discuter sur tout le matos. À un moment donné, un peu plus de matos, ça serait pas vilain. Par contre c'est très très cher pour un peu de matos. C'est très très cher. Milieu avant, qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas de. Parce qu'il nous en faut quand même un. Il nous en faudrait quand même un. Fuselage léger MK1. Ça serait que 100 balles? Ah bon? Ah oui, parce que j'ai le blindé. Ah oui, donc je perds. Ok. Ouais, c'est ce que je me disais là. Ce que c'est que ces conneries. Quand même à ce moment là le donner c'est gentil. Pneumatique. Ah c'est si on tombe à l'eau. Pigeon voyageur. Si vous vous parachutez derrière les lignes ennemies, un pigeon voyageur augmentera grandement les chances de survie de votre équipage. Ouais mais je pense pas que c'est les endroits où il faut claquer les 1000 derniers dollars. Je pense que c'est con à dire, mais un petit emplacement à l'avant. Why not. Tu vois, why not avec paf. Un petit soin. On a claqué nos 1000 balles, mais on les a claqués intelligemment. Voilà. Et donc on peut briefing, même si bah, le blindage est toujours exécrable sur mon vaisseau. Dégâts ennemis réduits. Bon, il faut qu'on fasse ça. Il me faut des dégâts réduits pour la mission principale, sinon je vais me faire rouler dessus. Donc on va se boucler sa vitesse. J'ai même pas regardé ce qu'il fallait faire. L'équipage qui arrive, ouais, on prend l'argent. Et on vous ramène des jolies photos. Hein. On vous promet qu'on vous ramène des jolies photos, évidemment. Voilà. Voilà, le crew des reporters, évidemment. Nous avons de quoi décoller. Paf, tu verrouilles tes fesses. Hop, on décolle en bas. Paf, on se choisit un objet. On décolle. Dès que tu bouges ton boule. Dès que tu bouges ton boule de mec. On rentre le train d'atterrissage. Et dès qu'on est comme ça, Fraser, on se penche. Hein, à ce qui paraît, on se penche sur le bas-côté. C'est ce que raconte la légende ancestrale, voilà.
On va attendre la deuxième, le deuxième point de passage. Basse altitude atteinte, c'est très bien. C'est parti pour la radio. Vos renseignements ajoutés à la carte. Très bien. Donc il y a d'autres objectifs, il y a plein d'objectifs. Et je ne sais plus c'est quoi, détruisez le stock de munitions, c'est notre objectif. Très bien. Très bien. Ok, formidable. Ok, on va là. Mademoiselle Belle, s'il vous plaît. On aime bien l'appeler Mademoiselle Belle, ça fait genre trop mignonne, trop gentille et tout. C'est celle qui bombarde les gens. C'est génial, c'est génial. Voilà. N'oubliez pas Mademoiselle Belle, notre mission est sacrée, ramenez-nous une très jolie photo. Mission sacrée du reporter, évidemment. Ouvrir. Ah, j'ai pas le temps de marquer les mecs. Ça, ça me vénère. On lâche. Voilà. Tu peux recharger une bombe, fermer les portes. Hein? Arrêtez de zooker, arrêtez de zooker. Voilà, défoncez-moi ça les gars. Ouvrez-moi tout ça en deux là. Il y en a un autre dans le coin je crois. Ah oui, nous on va là. Sur la photo. Il est où l'autre? Non mais non pas ça, pas du tout, arrête. Miss Belle s'il vous plaît. Passer au-dessus de la photo, pas encore. Photo prise. Formidable, bravo. Comment ça, il y a encore une photo dedans. Il y a encore une photo à prendre ici. Allons visiter donc. Ils sont où ces cons? Ah, ça me rend fou, ils sont où ces nazes? J'ai pas le temps. Pas que je prenne une photo. Ils arrivent vachement piqués hein. Ah mais salaud. Ils les ont bien refait hein, les chasseurs allemands. On les reconnaît bien hein. J'ai plus les noms parce que ça fait un moment que j'ai pas joué à War Thunder mais... Avec la peinture jaune comme ça bien sur le nez, on les reconnaît bien. Alors, Wadgraf, concentration s'il te plaît. McKay, concentre-toi McKay, arrête de faire le con. Ah, excuse-moi, je croyais que je parlais à Jagraf. Lol. Enfin, Jagraf, à Wag. Wagstaff, Wag. Mec de la Wag. Choupette, t'as chargé une bombe? Choupette! Merci. On est parti. Toi, va te faire soigner. Belle, reprends ta place. Remonte à l'artillerie. Tes conneries. Quoique, non, pas du tout. Belle. Moi, Choupette. T'aurais pas oublié de fermer une porte?
merci. Je pense qu'on est bon sur tout, je pense qu'on a tout eu. McKay, arrête tes conneries, retourne bosser là, oh là là. Williams! Williams, prends-toi une pause. Oh là, vous n'en branlez pas une hein, les mecs, c'est terrible. Hein. On retourne base. Ultra rapide. On se penche, on se calme. On réduit les choses. On sort un train d'atterrissage, s'il vous plaît. Ouais, Gray va prendre une pause là. Et voilà. Ah, finalement on est pas mal, 20 cibles obtenues, paf, succès déverrouillé. J'ai eu 10 recrues aussi tout à l'heure, donc je sais pas si c'était correspondait à quoi, mais j'ai eu ça comme succès. Donc on a passé les 3000 là. J'ai ramené deux photos, deux jolies photos. Petit reporter de guerre, mon gars, qui fait son taf. Ça fait 250 points de recherche, 2000 livres sterling, c'est pas dégueu, ça représente la moitié de ce qu'on a gagné là, sans ce move là. Paf paf, du boost, du secourisme avancé, ça fait plaisir. Oh. C'est bon ça, quand ça arrive quand même. Hein. Ah, j'ai gagné un petit jaune banane. Hein. Histoire d'être sûr de bien se faire bananer une bonne fois pour toutes. Et je l'aime bien au bousin comme ça. Alors c'est quoi la nouvelle histoire? C'est équipement de tête, c'est ça? C'est parce que voilà, c'est ça. Maintenant on a des bérets bleus, des bleus bérets. Et puis... Les gilets. De survie 2, des bottes en toile. Ah, ça augmenterait sensiblement mon déplacement. Ça réduirait aussi sensiblement mon armure. Donc, non, c'est hors de question. Entraînement, on a des hommes entraînés. Pilote, alors toi, pilote, tu sers à que dalle parce que tu ne bouges jamais. Donc, finalement, si t'as premier soin. L'intérêt c'est de pouvoir augmenter à long terme en soins passifs pour tes potes. Voilà, c'est pour Belle entre autres qui est exposée. C'est tout, tu ne sers à rien d'autre. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer, hein, vraiment. Monter un mécano ou deux, voilà. La livrée, donc on a une nouvelle peinture de base donc. Identity Crisis. Par The Mad Carval. Ouais, sympa. Sympa, sympa, mec. Le jaune banane. Non, mais alors... là, ça fait tellement avion de touriste, genre... ça, un peu, tu vois, un peu comme le truc fauve, là, au tigre, ou je sais pas quoi. Ça fait un peu en mode safari africain. Mec, on est en vacances. Waouh. Peut-être pas non plus. Cadeau empaqueté. Ah, c'est mignon, c'est gentil, c'est mignon, mais non. Festif. Ah, l'équipe du Père Noël. Ah ouais, mais bon, on s'appelle pas les lutins volants, donc non. Mais très sympa, très sympa, très ridicule aussi. Moteur blindé M4-2. Ça ne change rien à ma vie, à part que beaucoup plus de blindage. Ce serait un peu bête de refuser. Et la même chose, mais toujours en plus de blindé. Alors... tout ça, moi je dirais bien pas non, mais le truc c'est que je pense qu'un petit fuselage blindé MK2, t'as vu, ça déconne pas. Je pense que. Alors, déjà, pas à l'avant, clairement. À la queue, on est déjà en MK2, à l'aile aussi. Le train principal, oui. Le milieu. Le milieu, je prends pas trop la sauce. Hein, avant non plus, après ça serait vraiment sur le nez. 800, après il me reste plus rien. Et je crois que j'ai déjà plus de quoi payer une tourelle, c'est ça? Avec la bande de munitions. Ouais, c'est ça, j'ai déjà plus. J'ai plus déjà. Donc va pour un fuselage sur la nasale.
Pour être sûr que si je tombe sur un chasseur, je me fasse pas trouver la couenne. Ouais, attendez, je suis en train de réfléchir éventuellement à d'autres possibilités. Le système, le radar, on est déjà en MK2. Système hydraulique. En MK2, électrique en MK2? Ouais, il saute très souvent. Cette mission-là, si on pouvait éviter, ça valait peut-être pas un blindage, mais bon, écoutez. C'est parti, puisque là, on va sur les vraies embrouilles. Hein. C'est officiel. C'est lancé. C'est les vraies embrouilles. On va soutenir le raid de commando sur Saint-Nazaire. C'est parti. Par contre, là, ça paye. Hein. Là. Là, on prend 3000 balles. Hein. Hors prime. Juste. Enfin, si je ramène tout le monde. Mission critique. Opération chariot. Dirigez-vous au point de rendez-vous du navire commando à Falmouth. Bref, le truc quoi. Très bien. Verrouillez le pilote. Décollez le pilote. On se penche, on se calme. Il flotte, on va pas voler bien haut de toute façon. Radio. Ajouter la carte. Pas de nouveaux renseignements, mec. Vous êtes raïc ou ça? D'accord, donc on va jusqu'à l'aéroport. Ça en fait, en vrai, pour l'instant c'est tranquille puisque l'objectif c'est soutenir l'attaque de commando. On sait bien, le temps s'éclaircit déjà. Se pencher prêt à être utilisé, parfait. On économise du carburant, on fait péter une radio de reconnaissance et on part défendre un pote. C'est parti! Nouvelle donnée rajoutée à la carte, rien du tout. C'est un mensonge. Chasseur ennemi repéré. Seul sur le radar. WAG! McKay. L'armure à tout prix, les médecins ont soigné tout le monde, c'est magnifique. Tout va bien. C'est une cible de bombardement. Belle en position. Ok, cherche une bombe. Ouvre les portes. Quoi, c'est un espèce de cuirassé à la con là? Visiblement c'est bon. Oh, oh. Ouvre les portes, Belle, tu charges. Charger choupette, vite. Faut un petit coup de boost, mec. Ça, l'autre, je l'ai pas eu. Oh, voilà, c'est quoi cette histoire? Je
concentration. Belle, charge ça, ferme les portes. Et on reprend ta passe de tireur. On n'a pas tellement de temps à perdre. Ils subissent pas trop de dégâts. Moi je veux bien, mais mec, on me signale rien. Une reconnaissance. Bardez les tourelles, bah ouais, ok, ouais, je veux bien, ouais. Ok, on a une tourelle. Belle, reprend ta place. Il me faudrait vraiment un raccourci pour lui demander de changer de poste en fait. Il faudrait vraiment ça quoi. On va. On est un peu loin. Ferme. On va se pencher, on va économiser un peu de fuel, il nous reste plus que 20 minutes de carburant. J'ai pas le temps de regarder les chasseurs, les vaches. Ok, c'est largué. Suivant. Ah ouais, non mais il faut faire du coup plein vraiment plein de missions secondaires. Wow, j'ai tellement la rage. Et on a rien pu faire quoi, impossible de les rattraper, j'ai pas assez d'emporte-bombes. Parce qu'il y avait 4 navires à bombarder, là il y a 3 défenses sur la côte, c'est impossible. Impossible, à moins qu'ils me donnent vraiment un navire avec 7 ou 8 bombes dedans quoi. Ouais, je suis un peu vénère. C'est vraiment condamné à se faire rouler dessus quoi. C'est de ramener une photo avant d'intégralement merder là. Ici.
Ok Johnson, t'es planté, tu glandes rien, va bosser. Cartman là, on en est où? Oh, je suis dégoûté de l'avoir perdu celle-là. Il y a tellement d'univers, mais surtout que j'ai tellement pas assez de bombes pour la faire. C'est fou. Ça veut dire qu'il y a d'autres modèles d'avions à débloquer là. Ah, les missiles. Peut-être faut-il les missiles. Ah, j'aurais peut-être dû faire la mission secrète avant. Mais alors là, du coup, en fait, ce qui est un peu triste, c'est que. En gros, on me dit faut les avoir, faut les avoir avant, quoi. Tu payes, faut les avoir tellement avant. Quoi ? Ah, ça a pas sorti ton train d'atterrissage ? Trop le train. Là, je crois que t'es en train de flinguer le carburant. Pourquoi avec un peu de poussière? J'ai à sortir le train plus vite, c'est bon. Voilà. Le reporter crew est rentré. Je crois qu'on a une photo. Ouais, on doit avoir une photo quand même. On a fait notre travail. On a ramené une photo. Je suis dégoûté. Ah, je suis déçu. Mission ratée, pas un copec. Ouais, 625 de recherche par pur principe, quoi. Et l'équipage? Est-ce qu'ils ont pexé quand même correctement? Bah, même pas. Même pas, même pas. Moteur standard MK3 par contre, ouais, ça c'est déjà ça de prix, quoi. 7 survivants sur 7. Ok, succès déverrouillé. Donc c'est moins de blindage, c'est plus de... Ah, on est sur du MK2 standard ici. J'ai pas tout changé en fait. J'en ai qu'un qui est blindé en fait. Ok, ok, ok. D'accord, nice. Je piche. Je piche mais je suis déçu quand même. Parce que du coup il me faut ça. Il va me falloir des missiles. Parce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer genre la soute. Radar, extincteur, réserve de carburant. On pourrait songer, mais bon, c'est pas tout de suite. Donc on est censé avoir assez de plein pour tout faire, en effet. Système hydraulique MK2 et système hydraulique amélioré sont plus fiables et peuvent encaisser plus de dégâts avant de casser. Ouais, d'accord. On parlera à son cheval, quoi. Promis. Fuselage. Fuselage léger. MK vachement lourd. Pas installé, mais du coup pas l'argent. Voilà. Du coup on n'a pas le argent. Canon pneumatique, on peut se payer ça. On peut même pas se payer Jean-Michel le poisson. Ok. Bah je suis un peu vénère. À moins qu'on puisse la refaire et
Que ce soit pas comptabilisé en échec. D'accord, c'est maintenu. C'est maintenu, c'est refaisable, mais du coup, c'est refaisable, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que j'ai pas eu ces bateaux avec mes bombes. Que j'avais pas assez de bombes. Faut que j'aille débloquer les missiles. Pour lancer la grande semaine, vous serez prêt à frapper. Mais c'est quoi la grande semaine? Ah oui, donc vas-y, tu me recommandes vraiment d'aller jouer à des petites missions comme ça, quoi. D'accord. Ouais, écoutez, oui, je vais en refaire une. Je vais en refaire une. À vous de me dire si j'ai le niveau pour taper la mission secrète ou pas, ou vraiment pas du tout. Mais sinon, après, j'attaquerai, je pense, la mission secrète. Il est bizarre ce zoom, mais bon, c'est pas grave. Pilote, décolle. Où est ta place? Jean-Michel Map nous a dit on va par là. Très bien. Là, tu te penches, voilà. Et on navigue. Allez. Vivons notre vie. Je sais même pas ce qu'on va faire, détruire une usine. Très bien. J'aime cette idée. Donc là on est toujours en Angleterre, on va attendre encore un peu. Ok, on ralentit. On quitte l'Angleterre. Fraser va bosser. Qui dit l'autre, Fraser, hâte de faire le con, il va bosser. Radioman fait ton taf, Fraser arrête de glander, va bosser. Belle. Les portes, on va aller larguer ça sur la bouche. Il leur tire plus dessus, c'est con. Peut-être parce que j'ai oublié de les marquer, bien sûr. De vos morts là, placer la caméra n'importe comment à chaque fois. Et il n'y a pas des avions que j'avais pas marqué là-dedans? Celui-là. Thank you.
Ah bah on a un moteur qui va péter. Moteur est tombé, on l'a décroché, tout va bien. Radio van, fait de la reconnaissance. Toi, quelque chose à ajouter? Rien du tout, on l'a pété, on va rentrer à la maison. Voilà. Ok, à te soigner. Pas d'entraînement à la radio. Voilà. Donc en fait c'est un peu, là c'est un peu ce que je trouve dommage actuellement là, c'est que du coup voilà, les missions simples elles sont devenues très très simples pour moi. Il y a zéro défi à moins qu'il y ait un chasseur qui se pointe éventuellement, mais sinon là il y a zéro défi. Mais par contre en fait c'est ça, c'est, il n'y a plus de juste milieu quoi. C'est soit très simple soit c'est très dur. Donc voilà, je trouve ça un peu tristou là. On va voir s'ils vont nous proposer autre chose. Paf paf paf, nouvelle compétence, secourisme avancé, concentration, se pencher, c'est magnifique. Ah oui, parce qu'on a effectivement, on a un radio mécano. Quittez le compte rendu. Je crois qu'il y en a un encore que j'ai pas spécialisé. Je crois, je ne sais plus. C'est plus 3960, on n'est pas encore aux améliorations à 4000 boules. Qu'est-ce qu'on nous propose? Une mission intermédiaire qui paye comme une mission facile. C'est ça. Qui paye pareil. Ou celle-là qui paye très bien, mais qui est du coup impossible par rapport à la capacité en explosif que j'ai. Donc je vais faire cette mission-là, moi en solo de mon côté. Recherche et sauvetage. Et puis bah, je reviens vers vous dans un prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.